Bonjour à tous, vous pouvez le suivre depuis ce matin sur notre antenne. Le pape est au Portugal, c'est la première visite de Benoît XVI dans le pays. À cette occasion, coup de projecteur sur le Portugal, cette ancienne puissance coloniale, membre de l'Union européenne depuis 1986, le pays le plus à l'ouest du continent européen. Une très large majorité de la population se dit catholique. Malgré la sécularisation, l'Église garde une grande influence dans le pays. Pour preuve, l'État a offert des congés aux fonctionnaires qui souhaitent vivre au mieux et au plus près la visite de Benoît XVI ces jours-ci. Le pape qui demain se rendra à Fatima, au lieu de la foi chrétienne en Europe. Que dit Notre-Dame de Fatima au Portugal d'aujourd'hui? Décryptage avec le père Nuno Aurelio, recteur. Eh bien, justement, de Notre-Dame de Fatima, mais attention, pas au Portugal, à Paris, car il existe un sanctuaire Notre-Dame de Fatima à Paris, père. Oui, exactement. Depuis 1988, le cardinal Lustiger a eu l'intuition à Fatima de confier cette église de Marie médiatrice pour l'ériger en tant que sanctuaire de Notre-Dame avec cette invocation reine du rosaire de Fatima pour sauver l'église. Car on a pensé de la remplacer par l'hôpital qui est construit autour de l'église, mais avec cette intuition, avec cette mission confiée à la communauté portugaise, ça a permis de sauver cette belle église, qui est peut-être le plus grand mémorial à la libération de Paris, parce qu'elle a été construite comme un vœu du archevêque de Paris à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, et avec le soutien du peuple parisien, pour remercier Dieu parce que Paris n'a pas été détruit par les Allemands. Et beaucoup de Portugais catholiques hein, qui vivent à Paris, qui fréquentent ce sanctuaire. Oui, c'est sûr. Nous avons une communauté qui, en général, atteint le numéro de 1000 quelconques personnes. Nous avons un catéchisme organisé pour 450 enfants. Il y a, donc il y a du monde. Hein. Oui, c'est quand même du monde. Et aussi les autres qui parlent le français et qui viennent et qui passent par cette sanctuaire diocésain. Alors avant de voir les premières images du Portugal et de partir au Portugal, je voudrais qu'on s'arrête un instant sur le drapeau du Portugal qu'on voit à l'écran. Alors regardez, il y a 5 écus bleus au centre du drapeau. Ces 5 écus contiennent chacun 5 points blancs, et bien des points qui représentent les 5 plaies du Christ. Ça c'est un symbole très fort, père, pour le Portugal. Oui, depuis le premier roi du Portugal, qu'on a une histoire très proche de l'événement chrétien. On dit qu'il a même eu un signe miraculeux avant une bataille importante qu'il a gagnée avec le signe de la croix. Et à partir de ce moment-là, il a inclus les plaies du Christ dans les armes de la nation. Les Portugais s'en souviennent ? Je ne suis pas sûr. Alors le Portugal qui compte aujourd'hui un peu moins de 11 millions d'habitants, dont une grande majorité de catholiques, c'est ce que je disais en début d'émission, une majorité de catholiques qui reste donc très attachée à l'Église et à cette identité chrétienne au Portugal. Explication en images. Le Portugal est un pays très largement chrétien. 85% de la population se déclare catholique. Les musulmans, quant à eux, sont presque inexistants. Ils ne seraient que 2000 à peine. L'immigration provient surtout d'anciennes colonies chrétiennes d'Afrique australe, comme l'Angola, ou encore d'Amérique latine. L'influence de l'Église est donc manifeste, même si, comme on peut le voir sur cette carte, il existe une vraie disparité entre le nord du pays très pratiquant et le sud, gagné par la sécularisation et l'indifférence face aux religieux.
Le Portugal est un État laïque depuis 1976, mais le dernier concordat, signé en 2004, maintient une place privilégiée pour l'Église. Il prévoit notamment l'exercice libre et public de l'activité de l'Église, notamment en ce qui concerne le culte, le magistère et le ministère. La proximité entre Église et État est très forte. D'ailleurs, le mariage religieux conserve encore sa valeur civile. Autre fait marquant, en 2004, lors de l'adoption du projet constitutionnel européen à Bruxelles, le Portugal s'était engagé en faveur de l'inscription des racines chrétiennes de l'Europe au sein même de la Constitution. Père Aurélio, est-ce qu'on est plus catholique au nord, à Porto, qu'au sud, à Lisbonne? Deux villes d'ailleurs que Benoît XVI visitera pendant ce voyage au Portugal. Peut-être au niveau des pratiques, mais il y a encore un sens d'appartenance aussi au sud. Les gens se disent catholiques, même s'ils ne pratiquent pas chaque dimanche la foi en célébrant l'Eucharistie. C'est peut-être plus culturel que cultuel. Oui, oui, mais il y a aussi une raison historique et sociologique et même politique, si vous voulez. Parce que le sud du Portugal était, jusqu'au 19e siècle, confié à beaucoup d'ordres religieux. Il y avait beaucoup de convents et de monastères. Et au 19e siècle, un ministre, le gouvernement, a fermé, soi-disant, tous les monastères. Et alors, le sud est resté sans accompagnement religieux. Ça a été un peu la catastrophe. 8000 personnes, hommes et femmes, ont été expulsées des monastères, surtout des hommes, parce que pour les femmes, il a eu la charité de les laisser vivre jusqu'à la mort dans les maisons. Mais ça a contribué fortement pour cette différence qu'on trouve aujourd'hui encore entre le nord et le sud. Mais par rapport aux autres pays européens, est-ce qu'on peut dire que, notamment au nord, est-ce qu'on peut dire que le Portugal reste une terre chrétienne et catholique? Si est qu'on peut dire ça, qu'il y a des pays catholiques. Je pense qu'il y a encore une présence très importante de la foi chrétienne dans la vie d'une société. Et puis, par exemple, l'avortement Bon, il est devenu plus facile quand même. Depuis quelques années, après un référendum qui a été fait deux fois, et maintenant, à la deuxième fois, le oui qui a facilité à gagner, même si la plupart des électeurs n'a pas participé au référendum. Donc là, ce qui donne un statut juridique un peu différent, puisque... Ça a donné de la liberté au Parlement pour faire une loi, mais il n'a pas été validé par la participation parce qu'elle n'était pas assez nombreuse. De la proposition. Oui, voilà, il faut donc, 50%. Donc les référendums ont été annulés, les deux référendums. Ouais. Parlons aussi de ce concordat qui a été signé en 2004, un nouveau concordat qui a été signé en 2004 entre l'État et l'Église. Le précédent datait de 1940. Mm-hmm. Pourquoi ce concordat a-t-il été renégocié si récemment? Bon, parce que beaucoup de choses ont changé. A changé le régime politique, a changé le monde, les temps. L'Église a eu un concile. Tout a changé. Et je pense qu'il a fallu revoir le système de relations entre l'Église et l'État portugais. Dans le même esprit de collaboration, en reconnaissant à l'Église pas des privilèges, elle ne veut pas des privilèges, elle veut de la liberté pour être dans l'espace public. Ça, c'est la grande question qui se pose. Et ça, c'est remis en cause aujourd'hui? Ah oui, bien sûr. À l'abri d'une concession de laïcité très étroite et même obscure, parce que cette séparation que l'Église désire aussi pour bien accomplir sa mission, de témoigner le Christ, de servir les populations,
il faut que ça soit aussi accompagné par un esprit de collaboration. Et par exemple, le mariage religieux a valeur de mariage civil au Portugal. Oui, chez nous, depuis la première concordate, que le mariage catholique est reconnu par l'État. Ça veut quand même dire que finalement l'Église est privilégiée ou occupe une place importante toujours dans cette société portugaise. Oui, bon, mais nous avons quand même 800 siècles d'histoire en arrière. Mais il y a aussi un autre component important dans cette façon de voir la position de l'Église dans notre pays. Par exemple, au niveau des institutions de services sociaux, de la charité, etc., pratiquement 90% des mouvements, des centres sociaux, des crèches, d'écoles, des maisons de santé, de retraite, appartiennent à l'Église. Ça, c'est intéressant. Alors, Benoît XVI, qui a rencontré le président portugais aujourd'hui à Lisbonne, Aníbal Cavaco Silva, je prononce bien, père, oui. Qui en juin 2008 était en visite au Vatican. On le voit sur ces images, donc ces images qui datent de juin 2008. Aníbal Cavaco Silva est le premier président de droite depuis la révolution des œillères, il y a 36 ans. On va voir ce que c'était que cette révolution. Mais est-ce que cette appartenance à la droite, ça change quelque chose dans son rapport à l'Église aujourd'hui au Portugal? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas parce que il faut faire toujours attention. Il a aussi un complexe, soi-disant, d'être indépendant vis-à-vis les Églises ou les communautés religieuses. On espère du président qu'il est présent sa conscience et les valeurs qui dans ce cas sont les grandes valeurs chrétiennes. Mais il faut aussi se rappeler que dans l'histoire du XXe siècle au Portugal, beaucoup de personnes, même de la gauche, ce qu'on appelle politiquement la gauche, ont fait l'école au banc de l'Église. Ça veut dire l'action catholique, la pensée sociale d'Église a formé une part de tous ceux qui, aux années 60 et 70, ont fait même l'opposition au régime autoritaire que nous avons eu. Alors justement, ce régime autoritaire, on a fait référence à la révolution des œillets. Avant la révolution des œillets, il y avait ce régime autoritaire. On parle même parfois de dictature, la dictature d'un homme, de Salazar. Qui était Salazar? Est-ce qu'on peut parler vraiment de dictature? Bon, ça dépend de... Si vous êtes plutôt de gauche ou de droite, d'accord. Les mots peuvent changer. D'accord. C'est sûr qu'il y avait un contrôle de la société, de la pensée, de l'action. Et ça pourra être appelé de dictature, oui. Il y avait une police politique, il y avait de la censure, il y avait tout ça. Il y a eu aussi une guerre coloniale qui n'a pas été désirée par personne, mais... Mais l'Église a eu des problèmes à cause de cette guerre, parce qu'elle s'opposait à la guerre. Et cette guerre coloniale, elle opposait qui à qui? L'Église à l'État. À l'État. Au gouvernement. L'Église, certains secteurs de l'Église, parce que l'Église, heureusement, grâce à Dieu, elle est pluraliste. Je ne connais un autre espace humain assez pluraliste comme l'Église. Et s'il y avait des secteurs plus proches du gouvernement, et il y avait d'autres qui n'étaient pas assez proches. Et plus critiques. Oui, et très critiques même. Alors en avril 1974, il y a ce qu'on appelle cette révolution des œillets. Que se passe-t-il au Portugal en avril 1974? On a eu un coup d'État par les militaires qui ont voulu un changement
de direction pour la nation à cause de la guerre qu'on était en train de perdre, sinon d'être un peu... C'était compliqué. Moi-même, je suis né en Afrique à cause de cette guerre, parce que mon père était militaire. Et cette guerre, parlez-nous de cette guerre, c'est la question que je vous posais tout à l'heure. Elle opposait qui à qui? C'était le Portugal. Le Portugal et les mouvements d'indépendance de la plupart des colonies. Des colonies portugaises qui étaient très nombreuses. Hein. Oui, voilà. Quand même. Notamment en Afrique, l'Angola, par Angola exemple, est une ancienne. Mozambique, c'était les plus grands. Voilà. Et aussi Guinée-Bissau. Un autre plus petite, mais assez compliqué du point de vue militaire, peut-être la plus dangereuse. Et nous avons eu d'autres... C'est dans ce contexte qu'intervient la révolution des œillets. Et l'Église, en quelques mots, avant qu'on passe à la suite de l'émission, quel rôle elle a joué dans cette révolution des œillets? Elle a aidé à faire une transition pacifique, du point de vue social. Avec notamment le cardinal Ribeiro. Oui, et cette importance du cardinal patriarche de Lisbonne, Antonio Ribeiro, il a été même reconnu dans sa mort par les figures de l'État. Ils étaient tous de gauche, mais ils étaient tous là, dans les funérailles. Parce qu'ils ont reconnu qu'il a été important pour cette transition pacifique d'un système autoritaire pour une démocratie. Surtout dans la période compliquée de 1974 jusqu'à 1975-16, qu'on a eu les premiers actes électoraux libres, ça a été compliqué. On va reparler un petit peu maintenant de la visite du pape. Le pape qui sera à Fatima à partir de demain et jusqu'à vendredi. Jeudi, c'est le jour de la fête de Notre-Dame de Fatima. Fatima, c'est en fait, père, le cœur du voyage de Benoît XVI qui entend ainsi marquer le 10e anniversaire de la béatification de Jacinta et Francisco Marto, deux des trois bergers à qui la Vierge est apparue à Fatima en 1917. On voit des images d'archives. Cette petite ville située entre Porto et Lisbonne devient rapidement, à l'époque, l'un des grands sanctuaires mariales au monde. Que s'est-il passé, père, à Fatima en 1917? Bon, selon les témoignages des petits-enfants, Notre-Dame est apparue avec un message très simple. Et dans un contexte aussi de très simplicité. Il n'y a pas eu de miracles, de guérison, rien. Quelqu'un dit, je suis Notre-Dame de la paix, je veux la paix parce que Dieu est triste avec les hommes. En langage simple, c'était ce message. Il faut se repentir, il faut changer de vie. Et c'est dans ce point je pense que le message de Notre-Dame est passé très bien, parce qu'il touche le cœur de l'Évangile. La conversion, le changement de la vie, croire au Christ comme l'unique sauveur Dieu des hommes. Et la promesse d'une paix. D'une paix durable, si les hommes changent sa façon de vivre. Qu'est-ce qu'on appelle les secrets de Fatima? Bon, les secrets... c'était surtout des aspects qui par rapport à la Première Guerre mondiale, à l'importance d'une Russie qui vient de sortir d'une révolution politique bolchevique et qui va grandir et se transformer dans un empire du mal, après, appelé comme ça, partout dans le monde, mais qui ça finira aussi, un jour. Et là, le troisième secret, ou la troisième partie du secret, que c'était peut-être polémique, c'était en fait celui qui a été dévoilé à la béatification des pastoraux. Donc il y a peu, donc il y a 10 ans. Oui, exactement.
Un d'eux de ces petits bergers hein, à qui la Vierge s'est adressée. Exactement. Ils ont eu une vision d'un homme vêtu un habit blanc qui montait une colline pleine de cadavres et à la fin, lui-même était tué par quelqu'un. Et cette image d'un homme semblable à un évêque, mais les évêques ne s'habillent pas en blanc. Celui qui s'habille en blanc, c'est le pape. C'est le pape. Alors, ça a été, je pense, poser toujours des questions. Et le pape Jean-Paul II, il a pris connaissance du texte qui a été gardé au Vatican et il a fait une relecture en appliquant à soi-même cette vision. Jean-Paul II, hein, qui s'est rendu à plusieurs reprises au Portugal, avait une dévotion particulière pour la Vierge de Fatima, convaincu... À partir de ce moment-là. À partir de ce moment-là, bien sûr. Convaincu qu'elle l'avait sauvée lors de l'attentat dont il avait été la cible, place Saint-Pierre, le 13 mai 1981. Ça, c'est quelque chose d'important. Oui. Père. Il a même dit que... les images hein, de cet attentat. La main de Notre-Dame a guidé la balle. Pour la dévier. Oui. Pour la dévier, parce que c'était vraiment un miracle, avoir la vie sauvée. Attentat commis hein, par le Turc Ali Aksa, dont tout le monde se souvient et dont on reparle régulièrement, notamment dans les médias. En revanche, on oublie souvent qu'on a essayé de tuer Jean-Paul II à Fatima. C'était en 1982. Oui, un prêtre des secteurs plus traditionnalistes a essayé de le blesser avec une arme blanche, comme on dit, achetée ici à Paris, au marché de la Porte de Clignancourt. Mais il n'a pas réussi, heureusement. Ça a donné un petit peu de coloris à ce moment-là, mais heureusement qu'il n'y a pas eu rien de plus grave. De plus grave. On va voir des images maintenant du sanctuaire de Fatima. Aujourd'hui, on a parlé un peu du passé. Quel est le message de Fatima actualisé, j'ai envie de dire? Que dit la Vierge aujourd'hui aux chrétiens? Bon, c'est curieux parce que le pape Benoît XVI, lors de sa visite au Brésil, évoquant le 10e anniversaire des apparitions de Notre-Dame de Fatima, il a dit qu'elle était la plus prophétique des apparitions modernes. Et comme vous savez très bien, Benoît XVI, c'est plus discrète dans cette dévotion mariale par rapport à Jean-Paul II. Et pour dire ça, je pense qu'il croit avec beaucoup de tranquillité que le message de Notre-Dame à Fatima a quelque chose de très important. Le pape Jean-Paul II, et je vais le citer, il disait que le sanctuaire de Fatima pour l'Église, c'était parce qu'il irradie de Fatima vers le monde entier un message de conversion et d'espoir, un message qui est en accord avec la foi chrétienne et profondément ancré dans l'histoire. L'appel que Dieu nous envoie à travers la Sainte Vierge conserve intact aujourd'hui encore toute son actualité. C'est surtout ça, un message de conversion et d'espoir. Et au Portugal aujourd'hui, en quoi ça fait écho aux catholiques et à la situation, notamment religieuse, du Portugal aujourd'hui? Le sanctuaire conserve aussi une position centrale dans la vie de beaucoup de Portugais. Ça, c'est sûr. Même si au sujet de Notre-Dame, les positions personnelles varient beaucoup. D'accord. Parce que parfois, comme le peuple dit, j'ai beaucoup de foi à Notre-Dame, ça ne veut dire avoir une foi en Dieu sans Trinité, une foi dans l'Église. Ça ne signifie dire tout le credo après. Mais quand même, Notre-Dame est une référence importante
Parce qu'elle est mère. Surtout parce qu'elle est mère. Il nous reste 30 secondes pour conclure cette émission. Pour vous, qu'est-ce qu'attendent les Portugais de cette visite de Benoît XVI ? Bon, je pense qu'ils attendent ce que chacun de nous peut attendre de la visite d'un pape. Raviver la foi, dynamiser l'espoir, révigorer notre charité et bien sûr fortifier l'unité de l'Église. C'est ce que vous attendez également, personnellement ? Bien sûr. Merci Père Nuno Aurelio. Je rappelle que vous êtes recteur du sanctuaire Notre-Dame de Fatima. Mais attention, le sanctuaire qui est à Paris, dont l'adresse internet s'affiche sur vos écrans si vous voulez en savoir plus. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau voyage à travers les églises du monde. Très bonne semaine à tous.